à moitié. Salut tout le monde, c'est Rookie. Aujourd'hui, vidéo sur le XRK Stalker. J'avais déjà présenté une classe il y a pas très longtemps, au début de la saison 2, où j'avais fait une classe en fait avec le canon silencieux, j'avais mis des munitions explosives. C'était une classe qui était rapide, qui était vraiment utile sur Résurgence. Ça, c'est une autre classe où en fait, j'utilise pas de munitions spéciales, puisque oui, le XRK Stalker peut en effet one-shot sans munitions spéciales. Et ce, jusque 51 mètres ou plus si vous rajoutez un canon. Donc en l'occurrence, comme j'ai rajouté le canon fission, la portée des dégâts, donc du coup a priori ça irait jusque 62 mètres, les one shot iraient jusque un peu moins de 63 mètres. Donc voilà, donc ça c'est la classe que j'utilise. C'est une classe one shot du XRK Stalker, une classe que j'utilise sur des maps résurgence, donc je sais pas si c'est viable sur du Battle Royale. Il y a une chose que je veux vous montrer qui est super importante. C'est quand on regarde les stats de l'arme, par exemple si je vais sur canon fission, hop, il est marqué en haut à gauche, dégâts des tirs à tête 300. Donc c'est à dire que quelqu'un qui est full plaque, qui a 150 PV de base plus 3 plaques à 50, c'est à dire 300 PV, tête, moins de 63 mètres, c'est headshot, c'est down, c'est kill direct, tout ce que vous voulez. Et ça c'est important de le savoir parce que si vous allez dans le stand de tir et que vous mettez paramètres donc des plaques 3, et que vous mettez un headshot, bah par exemple le mec est juste devant là, il mourra pas. Donc voilà, juste pour vous dire, c'est bien une classe one shot, vous allez le voir dans le gameplay, vous l'avez vu, c'est 300 dégâts jusque 300 mètres, donc 300 dégâts c'est le max qu'on puisse avoir, donc c'est forcément du one shot. Mais voilà, ne vous laissez pas avoir par le stand de tir, ou si vous mettez un tête, là par exemple c'est pile un tête, boum, ça ne marche pas. Là c'est pile un tête, boum, ça ne marche pas. Lui j'ai déjà mis une balle dans la tête, donc forcément ça a marché, mais voilà, ne vous faites pas avoir. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé le gameplay, bien kiffé la classe setup, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.